J'espère que vous allez bien. On est jeudi, ouais, il est pas loin de 9h30. Aujourd'hui, il va faire une bonne. Bon, 27-28, il va faire encore un peu chaud aujourd'hui. Là j'ai mes lessives en route. Je peste après Enzo. J'ai acheté, que je vous ai présenté dans mon haul action, vous savez, les serviettes rondes pour mettre sur les transats qui sont géniales. On les avait emmenées pour. Voilà, ça ne bouge pas du transat, etc. Et il a été prendre ça pour aller dans les bois avec ses potes, pour s'asseoir dans l'herbe, etc. Il m'a flingué une serviette. Alors, c'est rien en soi, mais voilà, il fait pas attention. Et voilà, c'est agaçant parce que... Alors, vive les ados qui font pas attention. Donc, ça me peste dès le matin. Dès le matin, je dis, c'est bizarre, je commençais un petit peu à regarder ce que j'avais besoin pour les vacances, etc. Et faire les sacs et tout, enfin c'est pas pour tout de suite, hein, mais commencer un petit peu à regarder ce qui me manquait, etc. J'ai dit, c'est bizarre, hein, j'ai acheté une grille, je la retrouve plus. Voilà. Rip la serviette, donc là je l'ai mis à laver. Elle est bourrée de taches d'herbe, je sais pas si je vais la récupérer. Donc j'espère qu'il y en a encore chez Action parce que franchement c'était trop pratique. C'était trop pratique et que pour les vacances, ça tient tellement bien sur le haut du transat. On emmène une autre serviette pour se sécher et pour bronzer. Et bien sur le transat, c'est top, c'est assez épais. Vive les ados qui font attention à rien, ça me peste, ça me peste. Donc en parlant d'action, ça fait plusieurs petites fois que je veux vous en parler. Alors je vais aller dans la salle de bain, donc je vais aller la chercher. Alors il y a le bruit de la douche, de la machine à laver. J'ai acheté ça, je vous avais présenté, je sais plus si je l'avais présenté, j'avais acheté ça chez Action. C'est une petite brosse qui est une brosse nettoyante. Il y a un autre embout un petit peu conique et quand vous appuyez dessus, ça fait des rotations et ça brosse bien. Et en fait, j'ai acheté ça pour les joints de carrelage de la maison. Je me suis dit, je vais tenter. Alors, je l'ai fait sur une partie qui était recouverte. J'avais des taches et tout sur le carrelage quand on a enlevé le muret. Et je me suis dit, je vais tenter sur les joints. Autant vous dire que les joints de la maison sont dégueulasses. Je sais bien de nettoyer, mais la crasse avec la serpillière et tout ça, ça va pas dans les joints. Donc, dans les balais automatiques, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit peu ici, sur le carrelage, voir combien de temps ça dure, etc. Donc, j'en ai fait une partie dans la cuisine. Je pense qu'on peut voir. Alors là, on ne voit rien avec le soleil. Mais je vais vous montrer, j'ai fait ça ce matin dans le couloir. Donc là, sur cette partie ici, j'ai fait tous les joints. D'ailleurs, on voit très bien où je me suis arrêtée. Là, c'est pas fait. Et là, vous voyez. Donc ça nettoie terriblement bien les joints. Je vais faire carré par petit carré pour essayer de refaire toute la salle à manger, la salle de bain. Et puis comme ça, tout, de temps en temps, eh bien, je ferai nettoyer le joint ciment tout simplement. Et franchement, vous voyez la différence, ça c'est une petite chose miracle. Et j'utilise ça avec un de mes produits chouchou de chez Action, qui est ce spray dégraissant. Qui est ce spray dégraissant au savon de Marseille. Donc j'en vaporise sur le joint, je laisse un petit peu agir. Je mets la brosse en route, je nettoie. Donc là ce matin j'ai fait cette partie là. Et donc avec mon dos je ne peux pas tout faire d'un coup. Donc tout à l'heure je referai un petit peu cette partie là pour que le petit couloir soit fait. Comme ça je fais au fur et à mesure. Et quand la cuisine va être posée, eh bien avant que la cuisine soit posée, je vais essayer de faire les joints de la cuisine. Voilà. Mais je suis contente, franchement, ça décape super bien. Donc c'est l'occasion jamais, hein, puisqu'on est dans le nettoyage. Alors vous me direz, j'aurais pu faire ça après que la cuisine soit faite. Oui, mais déjà ça va donner un coup de propre. Et franchement, je suis épatée du résultat. Regardez ça. Comme quoi, les joints étaient ça. On n'a pas l'impression quand c'est comme ils étaient tous foncés partout. Alors, il y a des endroits, vous voyez, c'est fait plus clair où je l'ai fait. Alors, je vais me mettre ici dans l'autre sens, on verra mieux. Voilà. Vous voyez? Là, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai fait. Donc, voilà, je vais faire au fur et à mesure. Alors, je ne suis pas maquillée parce qu'il va faire chaud puis que je ne bouge pas aujourd'hui. Je devais aller à la pharmacie et tout ça. Mais je ne vais pas rechercher encore mes ordonnances. Donc, je vais faire ça ce matin, chercher les ordonnances, etc. J'ai des colis que j'ai emballés. Et j'ai un colis aussi au trésor de Lynn à aller chercher. Hop. Alors, je vous montre ma petite tenue du jour.
que j'adore. C'est une robe qui vient de chez Shein, qui est sublime. Elle a un cache-cœur. Vous l'avez vu, je pense, dans le hall, dans le dernier hall. Elle est magnifique. Oh là là, je l'adore. Elle est toute doublée. Donc j'ai mis un petit shorty en dessous parce qu'elle est quand même assez transparente en bas. Elle est magnifique, sublime. Regardez ça. C'est trop beau, trop trop beau. Et ça avec une petite paire de sandales. Les petits bijoux ici, c'est un bijou que j'ai fabriqué moi avec un médaillon, une chaînette. Derrière, j'ai des perles et un E pour Enzo. Et mon collier sautoir ici, c'est ma box bijoux. Un petit bracelet œil qui vient de chez Joom. Et ici, ma bague œil qui vient de chez AliExpress. Et j'ai posé les capsules. J'ai posé les capsules hier après-midi en pose américaine. Franchement, très jolie. Sur certaines, il y a des petits strass. Voilà. Je sais pas combien de temps ça va tenir. On va voir. Et il fait déjà super chaud là. Il fait déjà 24, je crois, dehors. 24 ou 25. Oh, on était bien quand il faisait frais là ces quelques jours. J'ai reçu des petits produits aussi de la marque Avène que je voulais vous parler. Et j'ai commencé la série, j'en suis à la saison 2, à l'épisode 12 de Good Doctor. C'était un truc Good Doctor qui passait sur la 1 pendant un moment. Et je me suis dit, ouais, ça doit pas être terrible, etc. J'avais jamais regardé. Et là, chercher une série pour mettre en fond pendant que je faisais autre chose, etc. Parce que j'ai des séries que je regarde comme ça, que quand je fais autre chose, je mets en fond. Et puis finalement, bah, je me suis laissée happer par la série. J'ai utilisé pas mal de Kleenex, voilà. Parce que c'est une série qui prend aux tripes. Et donc c'est une série qui est dans le milieu médical, qui est dans un hôpital, qui relate la vie de plusieurs personnages, mais notamment d'un jeune adulte autiste et qui est chirurgien. Et donc du coup. Voilà, ça met en avant, je trouve, bah, que le fait que bah, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on peut pas faire des métiers où on sauve des vies, etc., ou d'autres métiers. Donc il y a beaucoup de tolérance dans cette série que j'aime beaucoup. C'est un peu saignant, si vous aimez pas trop les choses un peu saignantes, un peu médicales, voilà, c'est pas trop. Mais ça me fait penser à la série Urgence qu'il y avait eu il y a plusieurs années, que j'avais adoré regarder. J'étais plus jeune et j'en ne loupais pas un épisode de la série Urgence. Et ça me fait penser un peu à cette série-là. Donc, et il y a 3 saisons. Donc là, je pense que j'arrive à la fin de peut-être de la deuxième saison. Donc, autant vous dire que lundi, je n'ai rien fait de la journée. C'était pas la grande forme. J'avais très très mal à la tête. Dès que j'étais debout, ça tournait. Voilà, avec la sinusite, c'était pas top. Bon là, j'ai encore la tête un peu bras-le-zinc, mais bon. On va faire avec. Et je me suis dit, tu vas te mettre ça dans le plaid, voilà, sous le plaid et sur le canapé. Ben, j'ai fait la journée, voilà, j'ai fait que ça de la journée. Voilà, il y a des jours, et ben, écoutez, ça fait un bien fou de rien faire. Voilà. Donc, ouais, je vous disais, je vais vous mettre sur pied, ça va être plus facile pour moi. Et je vais vous parler des petits produits que j'ai reçus de la marque Avène, de la gamme Tolérance. Parce que j'aime beaucoup les produits Avène. Je vous en ai déjà parlé par rapport au Cicalfate et ou tout ça. C'est des produits que moi qu'on utilise très souvent à la maison et qu'on a toujours à la maison. Et là, ils m'ont envoyé des produits pour le visage, je crois. Et d'autres petites choses qui m'ont bien servi quand il a fait très chaud lors du défilé à Enzo. Eh bien, ça m'a bien servi pour les jambes et puis pour, voilà, pour me rafraîchir. Donc, je vous mets sur pied et je vous retrouve de suite. Voilà, j'espère qu'on n'est pas trop de travers. Alors. Les petits produits que j'ai reçus déjà, cette chose-là que j'ai l'été toujours dans mon sac, c'est pareil, c'est très souvent celle-ci que j'achète, c'est l'eau thermale de Avène, qui est celle-ci, qui est apaisante, anti-irritante et pour les peaux sensibles, c'est non comédogène, donc c'est de l'eau tout simplement en spray, vous voyez. Et alors, quand j'ai chaud, vous voyez, ça me fait un bien fou, ça me rafraîchit dans l'immédiat. Quand on part en vacances, on en a toujours aussi une dans la voiture. Quand mon mari a un petit coup de pompe qui veut se rafraîchir, etc. En même temps qu'il conduit voilà, quand on fait des longs trajets. Moi, je sais que j'en ai toujours une l'été dans mon sac. Parce que voilà, ça me sauve la vie. Je suis quelqu'un qui supporte pas trop la chaleur. Le soleil n'est pas mon ami pour ma peau. Voilà, j'ai une peau très très claire et je fais des cloques en général quand je m'expose au soleil. Donc voilà. Donc, mais j'adore ce produit. Alors j'en avais dans d'autres marques, mais moi j'aime beaucoup celui-ci de chez Avène.
Et j'ai reçu deux autres petits produits que je n'ai pas encore testés, mais ben, je vous en reparlerai quand je les aurai testés. C'est de la gamme Tolérance. Donc c'est dans la gamme Tolérance. Donc on a une lotion nettoyante gélifiée, visage et yeux, peau sensible à réactive, qui est mon cas. Bien souvent je fais des réactions pour pas grand chose. Alors il y a 99% d'origine naturelle, d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est une... elle nettoie, elle démaquille, il n'y a pas de rinçage, il n'y a pas de parfum. Donc appliquée matin et soir sur le visage, les yeux et les lèvres, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. À voir ce que ça donne. Donc je ne vais pas l'ouvrir puisque voilà, je ne vais pas encore l'utiliser pour l'instant. Et après on a pour une crème, un fluide hydratant pour les peaux sensibles anormales à mixte. Normal à mixte, préserve le microbiome cutané. 0% de conservateur et il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc c'est, il y a une hydratation 48 heures, donc c'est aussi bien bébé, enfant, adulte, visage, cou, contour des yeux. C'est pour les peaux déshydratées normales à mixte, sensation d'inconfort, manque de souplesse, et ça convient en peau sensible et c'est une formule 100% naturelle. Donc la peau, elle a juste besoin de peu de choses pour que ça soit hydraté. Donc il y a de l'acide hyaluronique d'origine naturelle. Il y a de la glycérine et des émulsions d'origine naturelle, de l'eau thermale d'avène bien sûr et du sucre d'origine naturelle. Donc c'est un petit fluide comme ça en flacon de 40 ml. Donc ça, c'est ça, je vais l'ouvrir parce que je vais l'utiliser parce que j'ai ma crème du soir qui est bientôt terminée. Donc ça, je vais l'ouvrir, comme ça je vais le tester et je vous en reparlerai dans les vlogs à venir. Alors c'est un flacon pompe, donc j'adore le flacon pompe qui est ultra hygiénique. Il n'y a pas d'odeur, donc ça c'est top. Ah ouais, c'est bien liquide, c'est vraiment un fluide. Parce que ça pénètre rapidement. Je vais déjà en mettre sur ma main, si je ne fais pas de réaction, normalement ça devrait être bon. Alors, moi ce que je fais maintenant, quand je change de produit, je l'applique le matin, quand je mets un nouveau produit en fonction. Comme ça, ça m'évite de me réveiller avec si j'ai une... Je le sens tout de suite dans la journée parce que bien souvent, bah, la réaction se fait au moment de la nuit, du sommeil. Et puis du coup, bah, je me retrouve le matin avec les yeux comme ça, toute rouge, toute plaquée. Bon, maintenant, j'intègre un nouveau produit, je l'utilise le matin. Comme ça, je vois de suite si ça me gratte, si ça me... Alors, il n'y a aucune odeur. Par contre, ça pénètre assez rapidement. Donc ça, c'est top. Ça pénètre rapidement, mais je sens qu'il y a quand même une bonne... On sent que c'est, voilà, on sent que c'est bien, ouais, c'est bien hydraté. Bah écoutez, je le testerai, je vous en reparlerai de toute façon, soit dans les produits terminés ou dans un vlog, etc. De toute façon, je vous en reparlerai. Donc là, il est quelle heure? Il est 10h moins 10. J'ai des petites choses à faire pour la société, donc je vais aller travailler un petit peu. Je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie. J'ai des colis Vinted à emballer. J'allais chercher mes ordonnances pour demain pour la pharmacie. Faut que je retrouve les ordonnances. J'en ai retrouvé deux, mais il m'en manque une. Alors, j'espère que voilà. C'est pour les comprimés pour ma tension. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, comme j'ai plein de papiers à ranger, j'ai tendance à pas le faire aussitôt. Je mets dans une pile, et quand la pile est pleine, en fait, je trie tout. Mais il va falloir que je me fasse une pochette exprès pour tout ce qui est ordonnances en cours, parce que sinon, à chaque fois, je les recherche. C'est chiant. Voilà. Donc, je vous retrouverai, je pense, à la fin de la vidéo pour la box bijoux du mois de juin. Vous avez jusqu'au 30 juin pour la commander, si vous voulez, celle-ci. Il me semble que c'est jusqu'au 30 juin pour commander celle-ci. Je pense que c'est ça. Et je sais qu'il y a un code promo. J'essaierai de vous le partager un petit peu sur Instagram aussi. Il faut que je pense à faire les photos aujourd'hui pour vous le partager. Ouais. Donc, je vais aller travailler. Je vous retrouve tout à l'heure. J'adore cette robe, franchement elle est magnifique, elle est très très jolie, je kiffe. Donc, allez, je vais aller travailler, oups là, je vais aller emballer mes petits colis, je dois avoir un colis Shein qui doit arriver aujourd'hui il me semble, je crois que c'était aujourd'hui la livraison, faut que je regarde dans mes mails parce que ça se trouve peut-être qu'il est déjà dans la boîte aux lettres. J'ai commandé des chaussures, des claquettes et une paire de chaussures compensées quand je vous en ai parlé dans mon haul Shein. Donc, dans mon haul Shein, donc je vais voir si ça n'a pas été livré. Alors, on va changer de main parce que c'est avec mes doigts. Bon, je vous reprends, il est 11h30. J'ai bien travaillé, j'ai même commencé à monter une vidéo, j'ai étendu la lessive, enfin j'ai bien bossé. J'ai reçu ma petite commande Shein. Il y en a une autre que j'ai commandée. En fait, vous savez, les robes fleuries, là, je me suis recommandée, mais en taille, une taille en dessous.
Et puis si la taille en dessous est bonne, ce sont vraiment, j'en ai porté une, voilà, avec un soutien-gorge, etc. Et bon, je suis un peu bancale, c'est parce que j'ai des chaussures de différentes tailles. Et j'ai recommandé une en taille plus petite. Donc si elles sont mieux taille plus petite, je les recommanderai en taille plus petite. Je remettrai les autres avant sur Vinted. Je me suis pris deux paires de chaussures. Donc je vous disais que j'attendais des chaussures un peu compensées. Bon, j'ai pris celle-ci en sandales. Alors c'est basique. Je les ai pris en 39 pour mon 38. Et heureusement, je les ai pris en 39. Elles sont hyper moelleuses ici au niveau de là. Là, c'est tout léger. C'est que du plastique. Elles sont super légères. Et ça se ferme ici à scratch. Donc si vous avez les pieds qui gonflent, alors il aurait pu mettre le scratch de la même couleur que la chaussure, ça c'est un petit peu dommage. Et je les ai bien fait de les prendre en 39 pour mon 38. Sont relativement bien finis. Voilà, c'est vraiment la chaussure basique. Je sais plus combien elles étaient celles-ci. Je vais vous montrer dans le miroir après ce que ça donne. Et j'ai pris celle-là aussi en sandales en bleu. Ce que j'en avais en bleu, mais voilà, je voulais d'autres bleus. Et voilà, celles-ci, elles sont élastiquées ici. Et ben, je les ai pris en taille 39 aussi pour mon 38. Et heureusement, parce que j'aurais pas passé le pied ici. Donc pour les sandales en général, je prends une taille au-dessus. Et je me suis pris une petite montre aussi dans les tons verts, parce que de vert brésil, j'en avais pas. Et bah elle est pas vilaine du tout, regardez ça, elle est vraiment très sympa, elle est jolie comme tout. Je vais pas y arriver parce que j'ai le bracelet, mais elle est très jolie, il y a des strass à l'intérieur, vous voyez, très sympa pour un tout petit prix. Donc je vous montre les chaussures dans le miroir, allons-y. Et j'ai fini mon petit bout de couloir, donc le couloir est fait, donc c'est nickel. Donc je continuerai après. Alors on a les chaussures, je vais faire un petit zoom. Voilà, donc il y a celle-ci qui donne, vous voyez, je disais que le scratch, c'est pas terrible, un petit peu sur le côté. Eh bien, ça va me donner des centimètres, hein, ça va me donner, je pense, 4-5 centimètres. Donc ça, c'est top pour les robes qui vont être un petit peu longues. Et de ce côté-là, hop là, restons avec moi. Et de ce côté-là, eh bien, voilà ce que ça donne l'autre. Écoutez, ravi pour ces deux petites paires-là. Je vais aller voir les prix, je vais vous dire les prix, combien ça a mis, 14 jours. Alors, je me suis dit, je vais en recommander. Des comme ça. Bon, je vais les porter, puis si elles sont bien, bah, je recommanderai pour le reste de l'été, parce que les plus compensées comme ça, je vais les porter. On va voir ça avec une petite robe. Il fait super lourd. J'ai chaud, j'ai remis la clim là ce matin, parce que du coup il fait super lourd. Nous avons de l'orage pour cet après-midi, je crois. Ouais, à 16h. Donc faut que je surveille parce que j'ai mis mon linge dehors. Donc, les chaussures et tout, j'ai payé ça combien? Je vais vous dire ça de suite. La petite montre. Alors, mes commandes expédiées. Alors, j'ai commandé ça le 9, on est le 23. Donc, ouais, ça a mis 14 jours pour arriver. Alors, j'ai fait avec mon code promo, hein. Les chaussures bleues, elles étaient à 14,75 €. Les compensées à 15 €. C'est couleur tabac, et la petite montre, elle était à 3,25 €. Donc franchement, les petites sandales, elles existaient en noir. Je pense que je vais me les prendre en noir. Vous voyez, elles existaient en noir aussi. Donc je vais me les mettre au panier en 39, ajouter au panier. Et elles sont en bleu aussi, je crois. Ouais, donc pourquoi pas en bleu. Alors attendez, voir, en bleu. Ah non, elles sont grises. Ah bah il n'y a plus les bleus, il y en a qui les ont reçus en bleu, bah il y a les grises. Donc je me suis mis les noirs au panier, et franchement ça fait un joli pied, et c'est compensé, donc nickel. Voilà, et ben c'est parfait, c'est parfait. Je pense que comme demain je vais mettre une robe longue, je verrai ce que ça donne avec une robe longue, voilà. Et je verrai ce que ça donne avec la robe kaki, ouais, la robe kaki qui était longue. Je vais peut-être mettre la robe kaki demain, je vais voir ce que ça donne. Que je vous ai présenté dans le haut de courbe en valeur. Voilà. Donc je vais pouvoir enlever tout ça. Et franchement, c'est vrai que c'est pratique le scratch. Mais c'est dommage qu'il soit. Donc le scratch est pratique. C'est bien moelleux ici. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est dommage qu'il soit pas en couleur de la chaussure. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas mal du tout. Les autres aussi, ils sont bien. Donc, eh bien, on valide. Ah. Voilà. Les autres aussi, ils sont bien. Donc nickel. Ravi de ma commande. Je vais vous présenter la petite box bijoux du mois de juin. Je crois qu'il y a un code promo ce mois-ci. Alors, attendez voir. Voilà. Donc, ce mois-ci sur la colle, la box de juin. Donc, avec le code JOLI, celles qui rejoindront l'aventure, donc qui ne sont pas abonnées,
Avec ce code-là, si vous n'êtes pas du tout cliente, vous êtes nouvelle cliente, eh bien vous retrouverez un bon d'achat de 20 euros dans votre box. Donc, grâce au code JOLI pour 28 euros, vous aurez donc la box du mois de juin plus un bon d'achat de 20 euros valable sur l'e-shop. L'offre est valable jusqu'au 30 juin. Donc voilà, si vous voulez participer, je vais poster les petites choses aussi sur Instagram. Donc, je vais chercher la box. Donc, pour celles qui ne veulent pas être spoilées de la box du mois de juin, bah, je vous invite à quitter la vidéo ici et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et pour celles qui veulent découvrir l'intérieur de la box, bah, c'est parti. Donc, la box bijoux se compose de 4 bijoux tous les mois, soit en doré, soit en argenté, soit en rose gold. Vous avez une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier, une bague. Voilà, c'est toujours le même type de bracelet, de bijoux, je veux dire. Et si vous voulez retrouver les bijoux, eh bien, vous avez l'e-shop. Il y a des choses que vous ne retrouvez pas dans les box sur l'e-shop. Vous avez également des choses que vous retrouvez dans les box si vous avez loupé les bijoux ou s'il y a un bijou qui vous plaisait et que vous voulez dans une autre couleur. Eh bien, voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, on va commencer par la bague qui est très jolie. On dirait des petits coris, mais tout plat. Alors, je vais vous la porter. Donc, tous les bijoux sont resizables. Donc, ça peut faire une très jolie alliance également. Voilà. Et bien, écoutez, voilà, c'est très, très sympa. Très joli. Vous voyez, ça fait comme des petits coquillages. Très joli. Donc, comme je vous l'ai dit, resizable. On a ensuite le bracelet qui est très sympa également ce mois-ci. C'est une maille assez fine avec des petites boules comme ça sur tout le long du... C'est très joli, ouais, c'est très très joli, c'est fin. Voilà, c'est un petit bijou comme ça, ça suffit à lui-même ou en accumulation avec des plus gros bijoux. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, le collier pareil qui est très joli. On avait des petites boucles d'oreilles comme ça un peu dans les tons fumés. Donc moi, clairement, il faut que je mette une petite rallonge de chaîne. Je vous mettrai quelques liens de petites rallonges de chaîne, soit sur AliExpress ou sur Amazon pour pouvoir rallonger les colliers. Donc vous avez la petite estampille qui vous dit que c'est ma box bijoux. Vous avez une chaîne qui est assez fine et vous avez plein de petites strass tout du long. Donc ça, c'est très joli. Vous voyez, à porter en accumulation avec d'autres colliers, c'est vraiment très joli. Donc ça, au plus court, et puis des colliers un petit peu plus longs sur le reste, ça, je valide 10 000%. Donc ces trois pièces-là, je valide. Ensuite, les boucles d'oreilles, alors, je les trouve un petit peu lourdes. Alors, comme moi, j'ai un petit souci au niveau du lobe de ce côté-là, petite chose qui m'est arrivée étant enfant, j'ai un peu le lobe, le trou de ce lobe-là déchiré. Donc, je ne peux pas porter des choses très, très lourdes. Alors, elles sont très jolies, c'est vraiment dommage. Je vous en présente qu'une. Donc, vous voyez, il y a une boule ici et vous avez un petit, comment ça s'appelle ? Une petite chaînette et on a, un petit cadenas. Ah, voilà, un petit cadenas. Donc, c'est très joli. Donc, peut-être mettre même, moi je la porterai peut-être même au troisième trou parce que comme ça, ça fera une longueur un peu moins longue. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça, je vais porter au troisième trou. Donc, vraiment très joli. Encore une fois, ben, ravie de tout ce qu'il y a dans la box. D'ailleurs, je porte très très souvent des bijoux, ma box bijoux. Là aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est des choses que j'ai fabriquées moi. Il y a la bague que je portais en amont ici qui était une ma box bijoux. Mais c'est des produits qui ne bougent pas. Je me douche avec, je me lave les mains avec, je dors avec. Voilà. Je fais ma life avec, quand je vais à la piscine, je ne les enlève pas. C'est de l'acier inoxydable, ça ne bouge pas. Voilà, et je trouve que le prix de la box, franchement, pour 4 bijoux, 28 euros, frais de port compris. Voilà, si vous voulez l'offrir, vous avez aussi des formules d'abonnement, etc. Et là, ça vaut quand même le coup parce que bah, vous payez 28 euros et vous avez un bon d'achat de 20 euros à choisir sur le shop. Donc ça, je trouve ça sympa parce que finalement, vous aurez beaucoup plus de 4 bijoux. Et en plus, en ce moment, c'est des soldes. Donc voilà, profitez-en jusqu'au 30. Voilà, voilou. Donc je vais ranger tout ça, je vais faire les petites photos pour Instagram, donc justement pour la box bijoux du mois de juin, puis partager le code promo. Je vais aller remettre une lessive en route, je vais préparer une lessive pour demain et je vais aller monter commencer à monter une autre petite vidéo. J'ai retrouvé j'ai retrouvé toutes mes ordonnances, donc je vais pouvoir aller à la pharmacie. Il me reste plus qu'à envelopper les colis pour Vinted demain matin et je pense que demain matin peut-être que j'irai faire un petit tour chez Action, on verra. On verra. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos, vlogs, tests, etc. Il y a des petits tests qui vont arriver, des tests cuisine, des tests ménagers. Donc voilà, allez, c'est parti. À très vite. Ciao.